Bordel, cette... Vous connaissez bien le sacrifice. Mon instinct ne m'avait pas trompé, quelle que soit la magie noire qui lie ses lames entre elles, ses âmes entre elles, elle est aussi énergique qui la rend plus moins cohérente. Cela prendra du temps, mais nous finirons par arracher les réponses à cette chose. Je vais avoir besoin du homme pour l'interroger, mais soyez assuré que je vous le rendrai dès que je l'aurai dès que j'aurai terminé. Ok, apportons notre trophée à l'amiral suprême. Toi, tu viens avec nous. L'alliance survivra. Anduin est retenu captif dans un endroit que les ombres appellent le Trémaculum. Ce n'est pas très loin, mais le chemin qui y mène est pavé d'embûches. J'ai tenté à plusieurs fois de le délivrer, mais ses ravisseurs sont trop forts pour que j'en vienne à bout moi seul. Je compte sur votre présence pour faire pencher la balance en notre faveur. Retrouver le roi Anduin dans le Trémaculum. La moindre étincelle peut embraser. Tout est en place. En route. Let's go. Attendez, attendez, je pense que j'ai pris une mauvaise route. Merde. Il semblerait que j'ai pris une mauvaise route. Oula. C'est bon. Bon, lui, oula.
encore. Je suis trop loin. Ah putain, d'accord, ok. Alors ça, je m'y attendais pas. Voici le très maculin. C'est ici qu'il tourmente les âmes pour en faire ses ombres pitoyables. La dernière fois que j'ai aperçu Anduin, il le traînait vers la tour. Il faut trouver comment l'attendre. Mine de rien, pièce d'or par pièce d'or, je remonte mes finances. Des vrilles de magie liant cette rune à la tour. Voilà qui devrait nous y conduire. Nous ne pouvons pas laisser ce monde. Ah d'accord, c'est un TP. Oh purée. Voilà Anduin. Sylvanas. Mais qu'est-ce qu'elle lui veut? Ma reine. La route qui nous attend sera difficile. Vous n'y arriverez pas. Vous manquez terriblement de perspective. Quelle déception. Peu importe. Quelqu'un d'autre nous fournira ce que nous cherchons. Qu'elle soit maudite ! Anduin, vous êtes gravement blessé ! Je survivrai. Je suis soulagé de vous voir sain et sauf. Ces chaînes sont trop solides pour être brisées. Nous devons trouver un autre moyen pour le libérer. Une cause juste mérite toujours qu'on se batte pour elle. Sylvanas nous croit brisée. Elle est persuadée d'avoir remporté la partie. Nous allons lui montrer à quel point elle se fourvoie. Pour commencer, je vais avoir besoin de votre aide. Les liens qui me retiennent sont trop solides pour être brisés. Seule la clé pourra m'en délivrer. Depuis qu'on m'a enfermé ici, je suis sous la surveillance surnommée la Filigeuse. C'est sûrement elle qui détient la clé. Non. Enfin, si c'est le cas, c'est pas cohérent. Tu confies pas la clé au bourreau. Si jamais le bourreau se fait attaquer, non. La clé, elle appartient à quelqu'un d'autre qu'au bourreau. J'ai vu passer bien des âmes au cours de ma détention. Le geôlier semble chercher à les briser avant de les asservir. Ou pire encore, aucune âme ne mérite de subir pareil calvaire, MJ Normand.
Ce sont des entreliges en poste dans les environs qui détiennent les clés de leurs entraves. Libérez-en un maximum et nous les aiderons à fuir cet endroit. Récupérez les clés. D'accord. Vous ne perdez jamais espoir. Faites preuve de prudence. Merde. Je perds des points de vie là. Ok. Quelque chose me dit que je vais devoir monter ces escaliers.
J'ignore où en est mon niveau de menace. Ouais. Il est élevé. Ah bah il est là. Je vais essayer d'attirer d'abord les sbires. Histoire de looter, hein. Je dois m'approcher. Ça va, 20 000 points de vie, c'est pas énorme. Ok. Bien sûr, eux deux ils sont réapparus. Là, la rapidité du spawn par contre elle a l'air d'être élevée. Par contre, monter de niveau, c'est long, hein. Bordel. Tant pis, c'est pas grave. Parfois, nous devons combattre pour ce en quoi nous croyons. J'ai bien cru ne plus jamais échapper à ces chaînes. La lumière nous donnera la victoire.
Je me porterai mieux quand nous aurons quitté cet endroit. Je vous suis. J'ai pas lu la quête, hein, mais bon, on comprend. Hein, c'est. Là. Il me suit ou. D'accord, ok. Quoi? Ah, d'accord, ok. Il y a une TP. Ces blessures ont l'air graves. Laissez-moi m'en occuper. Merci, mon ami. Je serai heureux de retrouver toutes mes forces. Vous arrivez juste à temps. Votre ami a des choses à vous dire. Tout n'est pas perdu. Pas encore. Parlez. Comment quitte-t-on cet endroit? Elle est perdue. Le passage fermé depuis longtemps. Alors il y a bel et bien une sortie. Dites-nous où la trouver. Pierre d'accès dans le chaudron. Le chaudron en question se trouve de l'autre côté de la rivière des âmes. C'est là que Bane doit être détenu. Alors notre objectif est clair. Un seul but nous anime. La vengeance. Nous sommes éternels. On ne peut pas abandonner ces âmes innocentes à leur sort. Nos derniers soldats vont monter la garde ici. Quand vous aurez trouvé cette fameuse pierre, prévenez-nous. Que peut faire la fille du vent salé pour vous aider? La fille du vent salé, rien que ça. Nous savons ce qu'il nous reste à faire. Il faut nous rendre au chaudron de Zoval, un endroit terrifiant dont on ne parle qu'à demi-mot. Épouvanté, c'est une sorte de forge implantée de l'autre côté de la rivière des âmes. Je n'y suis allé que quelques fois, mais j'y ai aperçu Bane, retenu captif par les soldats en poste là-bas. Avec un peu de chance, il s'y trouve toujours. Dès qu'il sera en sécurité, nous nous lancerons à la recherche de la pierre d'accès que l'ombre a évoqué. Traverser le pont qui enjambe la gorgeoie, la rivière des âmes. Je n'oublierai rien. Eh ben. D'accord. Et c'est cool qu'on puisse pas utiliser de monture. En fait, je crois qu'on est considéré comme. Monsieur Tral, qu'y a-t-il? Toujours pas la moindre trace de Tyrande. On ne peut pas l'abandonner seule à ce cauchemar. Non, mais nous n'avons aucun moyen de la retrouver. Il faut tout essayer. Mais la pierre d'accès pourrait être notre seule porte de sortie. Là où il y a une sortie, il y a une entrée. S'il le faut, nous reviendrons la chercher. C'est bon. Après, c'est pas que ça me dérange de combattre, c'est qu'on perd du temps. Attendez,
J'entends quelque chose. Vos âmes indignes viendront nourrir l'obscurité. Indignes ? Des champions indignes vous ont pourtant flanqué une bonne raclée. Cet outrage va vous coûter cher. Les ailes de mes entreliges noirciront le ciel de votre monde. Pour Azeroth ! Que les âmes des damnés vous suivent. C'est insupportable! D'accord, c'était ça le bruit qu'on entendait, c'était le... Alors, je rêve ou c'était un titan par contre? Regardez, là-haut, au bord du précipice. Serait-ce... Le geôlier. Quelqu'un, Bane. Ah ouais, d'accord. 53 millions de vies. Rien que ça. Une longue route nous attend. Je sais ce qui doit être fait. Pauvre petit mortel. Votre esprit me semble... indigne. Bane ! Non ! Ses blessures sont refermées, mais son esprit reste affaibli. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je crois que moi aussi. Une fois, très loin d'ici. Loctar. Si les plaies de Bane se referment peu à peu, son esprit, lui, se rapproche de plus en plus dangereusement de la mort. J'ai déjà été témoin des ravages occasionnels de ce genre de magie noire dans le clan Ombre-Lune. D'accord, ok. Les sbires du geôlier ont dû inoculer un mal similaire à notre ami. Le seul remède à la malédiction d'Ombre-Lune consistait à trouver l'objet employé pour empoisonner l'esprit avant de le briser. Or, il se trouve que les ensorceleurs de ce royaume sont équipés de dagues ornementales. Cela pourrait correspondre à ce que nous cherchons. Nous devons mettre la main sur celle qu'ils ont utilisée contre Bane et Vite. Ok. Que l'honneur guide vos pas. Une bonne hache. Je n'aurais jamais dû lancer ma hache sur cette sorcière des mers. Nous ne pourrons nous permettre de perdre ainsi notre sang-froid. Le combat qui nous attend s'annonce difficile et je vais avoir besoin d'une arme de substitution si nous voulons nous frayer un chemin jusqu'à la pierre d'accès. Ces soldats m'ont l'air armés jusqu'aux dents. Ouvrons l'œil, nous trouverons peut-être de quoi m'équiper convenablement. Trouver une arme adéquate pour Thrall parmi les armements antelige de Deritos. Ouais. L'union fait la force. Je me méfierais des armes de nos ennemis. Elles sont possiblement maudites. Mais bon. Ce doit être la dague.
La lame est encore tachée du sang de Bane. Eh ben, on n'ira pas... Ça va, on n'est pas loin à aller. Ah. Une arbalète. Je préfère frapper face à face. Celle-là a un certain poids, ce soir. Mais voyons ce qu'on peut trouver. Les bâtons n'ont jamais été mon truc. Mais au moins celui-là ne casserait pas en pleine action. Continuons à chercher. Jamais compris pourquoi l'alliance aime tellement les épées. Trop de lames, pas assez. C'est pour compenser. Ouais, ben là, oh bordel, là, tout là-bas. Ah non, c'est bon. Enfin, une arme digne d'un vrai guerrier. Si le geôlier me cherche, il va tâter de mon fer. Ravi de vous voir. Pour Azeroth. Ah merde. Bon. Je dois tuer quelqu'un et placer une lame apparemment facultativement. Je vais briser la lame. Soyez prêts à accueillir tout ce qui pourrait en sortir. Cette malédiction va lui déchirer l'âme. Cette malédiction va lui déchirer. Vous devez vite la neutraliser. Wow. C'est bien que mon heure était venue. Elle a bien failli, sans notre ami pour vous sauver.
Vous avez ma gratitude éternelle. De rien, Bane. L'Octar. Le véritable combat nous attend. Nous devons agir prestement si nous voulons trouver la pierre d'accès. À en croire l'âme que nous avons interrogée, elle surplombe le chaudron. Autrement dit, elle se trouve quelque part sur la crête de l'autre côté. Malheureusement, le secteur grouille d'ennemis et nous avons tout intérêt à les éviter de crainte d'attirer l'attention du geôlier. Je peux nous dissimuler à leur regard, mais nous allons devoir rester groupés. Ne faites pas confiance à n'importe qui. On cherche une pierre d'accès qui serait quelque part par-delà le chaudron. Ça vous dit quelque chose ? J'ai bien vu un vieil obélisque en pierre, sur la grande crête. Mais il n'avait pas l'air important. Les sbires du geôlier ne lui accordent aucune attention. Qu'est-ce que ce serait ? Le moyen de sortir d'ici, du moins on l'espère. Salutations. Une longue route nous attend. Nous traînons tous nos fantômes. Son armée semble sans fin. Nous ne pourrons jamais tous les vaincre. Jaina, est-ce que vous pouvez nous dissimuler ? Mon sort peut nous permettre de passer, mais certains gardes pourront le percer à jour. Restez près de moi. On ne peut pas se permettre de se faire repérer. N'avancez pas. Attention, ne vous éloignez pas. La portée de mon sort est limitée. L'armée du geôlier est aussi vaste que celle de la Légion. Elle ne fait que grandir. Toutes ces âmes qui déferlent dans l'antre. Les morts d'Azeroth, de Draenor et de mondes insoupçonnés. Tous maudits à échouer ici. Pour devenir des armes au service du geôlier. Même avec tout ce qu'a fait Sylvanas, je n'aurais jamais pensé la voir aller si loin. Regardez, sur cette plateforme là-bas, ce doit être la pierre d'accès. Il faut l'atteindre avant que le geôlier ne nous remarque. On l'a. Bordel, mais c'est quoi ça ? La voie du salut. Je sais pas pourquoi elle est pas. La pierre était censée être en sommeil, mais elle réagit à notre présence. Mais je ne trouve pas comment l'activer. Je crois que ce n'est pas à notre présence qu'elle répond, mais à la vôtre. Parfois, nous devons combattre pour ce en quoi nous croyons. Faites preuve de prudence. André examine attentivement l'obélisque. Je n'avais encore jamais vu de gravure de ce genre. J'ai étudié des artefacts des titans. Mais de toute évidence, ce ne sont pas eux qui ont façonné cet obélisque. Il ne réagit pas à mon contact. À mon avis, Jaina a raison. La pierre d'accès semble réagir à votre présence. Peut-être auriez-vous la main plus... Avez-vous la main plus heureuse que moi ? Cela étant dit, restez sur vos gardes.
tant qu'elle était en sommeil, les troupes du geôlier n'y prêtaient pas garde, mais ça risque de changer si vous réussissez à l'activer. Activer la pierre d'accès érodée à Cosirus. La lumière nous donnera la victoire. Une relique des fondateurs. Réagirait à une créature mortelle. C'est impossible. Entre-lige, appréhendez-les. Je n'ai pas de cible. Je suis hors de portée. Tenez bon ! Il faut qu'elle finisse de se charger ! Exception. Arrêtez de se charger. La pierre répond à votre présence. Essayez de l'activer pendant qu'on les tient à distance. Personne ne revient de l'antre. Acceptez l'inévitable. Ils ont arrêté d'avancer. Désolé, un colis Amazon au moment où je reprends l'enregistrement. Bon. Du coup, attendez, je reprends le jeu. Attendez. Donc, ils pensaient qu'on allait les attaquer, puis en fait, non. Hein, c'est... Ok, du coup... je vais où ? Quoi ? What ? C'est quoi cet écho d'enfoiré ? Faut l'emmener auprès des surveillants, immédiatement. Ah, puis j'ai encore le son du chargement, là.
Terrible surveillant. Alors je suis désolé, je vais juste me déconnecter et me reconnecter parce que ce bruit est insupportable et je pense que c'est un bug. Bien. Effectivement, c'est plus calme. C'est impossible. Et pourtant, je suis bien là. Un mortel encore vivant ici, incroyable. Veuillez m'excuser, j'en oublie les bonnes manières. Cadalen, pour vous servir, je supervise les auxiliaires de l'arbitre en l'auguste cité d'éternité d'Oribos. Vous êtes ici au cœur même de l'ombre terre. Si nous avons l'habitude de recevoir des âmes venues de toutes sortes de mondes mortels, aucune n'est encore arrivée en chair et en os. Répondez-moi franchement, mortel. Vous avez vraiment réussi à vous échapper de l'antre. Ça a été compliqué. C'est le dessin qui vous conduit à nous. Oui, je me suis échappé de l'antre. On enseigne à tous les résidents d'Oribos que personne ne peut échapper à l'antre. Que les mauvaises âmes y sont enfermées pour l'éternité. Si cette créature mortelle en est revenue, c'est qu'il n'est plus inviolable. Et alors, le proscrit pourrait aussi. Cadalen, Cachir, après si longtemps, l'arbitre donne enfin un signe. Loué soit le dessein. C'est merveilleux, auguste voix. Il y a quelque temps, nous avons perçu une perturbation à la lisière de l'antre. Puis cette créature mortelle est apparue. Elle dit avoir réussi à s'en libérer. Une âme vivante. Sa présence ici ne peut que servir le dessein. Si l'arbitre a réagi à son arrivée, c'est qu'elle pourrait être celle qui l'éveillera. Cette âme mortelle mérite-t-elle vraiment une audience? Si ça se trouve, c'est un agent à la solde du geôlier. Cachir, c'est à l'arbitre qu'il revient de juger les âmes, pas à nous. Je vais mener cette âme mortelle auprès d'elle. Par moi, c'est sa voix qui a parlé. Loué soit sa voix. Loué soit sa voix. Ouais, j'aime pas trop ce genre de dogme. Votre chemin est tracé. Je suis Talara, auguste voix de l'arbitre. Je parle pour elle qui est à jamais muette. L'arbitre veille sur Oribos et elle nous bénit. De sa sagesse, toutes les âmes mortelles qui arrivent en ombre terre doivent se présenter devant elle pour être jugées. En une fraction de seconde, elle prend connaissance de chaque instant de bravoure et de folie, de tous les bonheurs et de tous les regrets, puis elle décide de la vie posthume qui leur sera réservée, ou plutôt, elle en décide. Une catastrophe récente la... Venez, certaines choses doivent être vues pour être comprises. Chacun sera jugé selon ses actes. Mortel, je prie pour que l'arbitre s'éveille à votre présence. Entendez la parole de l'arbitre, rien n'a changé. Elle reste silencieuse. Inerte.
À votre arrivée à Oribos, je l'ai vu frémir pour la première fois depuis bien longtemps. Ça m'a donné espoir qu'elle s'éveille enfin pour qu'on les mots ne sauraient décrire la gloire de cet instant. Avancez, je vais vous montrer. Parlez, mortel. Pendant bien des siècles, la paix et l'ordre régnaient en nombre terre. Un au-delà sans fin, dont Oribos, la cité d'éternité, était le cœur étincelant. Toutes les âmes mortelles étaient jugées par l'arbitre, qui, dans sa grande sagesse, étudiait l'ensemble de leur existence. Grâce à ses connaissances, elle dirigeait les âmes vers la voie qu'elles méritaient. Jusqu'à ce que... ce terrible instant, notre parfait équilibre fut brisé. Ainsi, toutes les âmes, qu'elles soient louables ou cruelles, ne peuvent atteindre l'au-delà et sont condamnées à subir les tourments de l'antre. Privée d'anima, l'ombre terre sombre dans la pénurie. Les royaumes sont...